Je suis Jean-Michel de l'agence Natibox Saint-Lô. Aujourd'hui, je suis chez mon client Aquasolus à Pont-Hébert. C'est à 10 minutes de Saint-Lô. Et aujourd'hui est un jour particulier car on pose la 600e Natibox. Et pour cette occasion, avec Natibox France, on a fait un événement qui donc a regroupé de mon côté des partenaires locaux et des potentiels clients. Ceux-ci ont pu assister à un véritable spectacle car ils ont pu voir le camion arriver avec la Natibox de 28 mètres carrés dessus, la mise en place de la grue. Déjà rien que ça, ils avaient les yeux grands ouverts de voir cette Natibox s'élever dans le ciel, venir à son emplacement et en même pas une heure raccorder, ils ont pu la visiter. Je m'appelle Ludovic Agnès, je suis chargé d'études en assainissement non collectif. J'ai fait installer une Natibox à Pont-Hébert sur mon terrain privé pour y exercer mon activité professionnelle et y recevoir des proches. La société Aquasolus intervient dans le domaine de l'assainissement non collectif en tant que bureau d'études, installation et entretien. À l'origine, je devais construire moi-même mon bureau et si on fait le compte entre le temps, le coût des matériaux et l'impact sur la vie personnelle, le choix Natibox s'imposait. Nous avons découvert Natibox d'abord par le bouche à oreille sur les réseaux sociaux et aussi par le biais de mon réseau de partenaires professionnels. On a choisi ce modèle de Natibox, donc c'est la 28 mètres carrés pour la salle de bain, le séjour et une pièce qui normalement fait chambre, mais là, nous, comme c'est pour une utilisation professionnelle, sera un bureau. Ça permet de retirer l'espace professionnel qui était jusqu'à présent dans la maison et de le mettre à l'extérieur de la maison et bien scinder vie privée et vie professionnelle. C'était une belle journée, une belle pause. Ça a été un véritable show, un véritable spectacle. Et si vous, vous avez de la place chez vous ou un projet, n'hésitez pas à prendre contact avec moi-même ou un de mes 50 collègues sur toute la France pour discuter de votre projet. À très vite !